Salut les Chihuahuas, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Écoutez, je vais très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour la présentation de mon serveur RP. Vous étiez nombreux à me demander, donc c'est quand je vais présenter mon serveur RP et quand j'ouvrirai un serveur RP. Donc j'en ai enfin ouvert un. Alors pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour rejoindre, il faut avoir un Discord. Si vous n'avez pas Discord, je vous invite à y télécharger, c'est gratuit et c'est tout simple. Après, quand vous avez Discord, du coup, vous allez dans la description, vous rejoignez mon serveur et après, il y aura tous les règlements, comment rejoindre le serveur, vous devrez votre carte d'identité, etc., etc. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à des admins, vous pouvez aussi écrire un commentaire dans ces vidéos si vous avez un gros problème. Bref, bon voilà du coup pour rejoindre le serveur et on va direct commencer du coup pour la présentation de la map. Alors on va commencer avec le petit grand bâtiment, donc le TF1. Alors ça sera le immeuble journaliste, donc si vous le travaillez dans le journaliste, vous devrez votre CV dans le serveur Discord. Donc voilà, oui, c'est un on va dire un truc de journaliste normal. Je vais pas non plus tout vous montrer les bâtiments, je vous laisse un petit peu la surprise. Ouais, voilà, c'est un journaliste, un truc de journal, voilà. Là ici il y a le fond vert, donc voilà, on pourrait faire des journaux, tout ça. Ensuite nous avons la mairie, donc voilà, je vous laisse visiter, je vais pas rentrer à l'intérieur. Donc le petit la mairie, donc si vous voulez être maire, bah écoutez, vous postulez en tant que maire. Nous avons la banque, alors la banque on va la refaire. On va faire une vraie marque de banque, donc c'est pas encore ce qu'on va faire, mais on va en faire une. Ouais, c'est une préfab, c'est pour ça qu'on va en faire une autre. Nous avons le petit McDo, alors McDo, franchement je trouve que je l'ai très bien fait. Pour ceux qui demandent, alors le McDo on sera obligé d'y aller à chaque fois parce qu'on va être obligé de manger. Donc par exemple il va y avoir des poissons, donc on l'a fait un système, si vous voulez, si vous mangez pas au bout d'un moment vous êtes mort, donc vous pouvez mourir RP. Donc vous êtes dans le McDo, vous prenez donc un poisson, souvent un fretin à 20 € ou un poisson à 40 €, et ensuite vous le mangez comme ça, du coup vous n'allez pas mourir RP, donc vous serez obligé de venir là tout le temps pour manger. Donc voilà les gars pour le McDo. Du coup nous avons l'agence immobilière qu'on l'a pas fini, donc voilà, il manque quelques trucs, je pense qu'on va leur faire. Donc voilà, si y en a qui voudraient dans l'agence immobilière, pareil, vous faites votre CV. Nous avons le auto-école, alors voilà, le auto-école qui est vraiment pas mal. Donc voilà, vous serez obligé d'aller là pour avoir votre permis. Voilà, nous avons la police, donc voilà, le police national. La terreur, je vous la montre un petit peu. Vous voyez qu'il y a des bureaux, il y a un petit peu de tout. Il y a des voitures, il y a le bureau du chef. Après en haut il y a les prisons du coup. Alors pour la police il faudra se mettre équipe 2, et du coup quand vous devrez mettre un prisonnier en tôle, vous le mettez là et ensuite vous fermez la clé, et comme enfin vous cliquez sur le bouton et la porte va se fermer, et du coup la personne ne pourra pas faire pourra pas sortir de la prison. Ici nous avons du coup les poissons, donc pour manger, comme je vous ai dit, si on ne mange pas vous pouvez mourir RP. On le voit pas, mais voilà, donc voyez, ouais, il y a le poisson. Hop, du coup ça c'est bon. Ensuite du coup là vous voyez que c'est des appartements. Ensuite nous avons le hôtel, donc voilà, pareil, l'hôtel il est pas du tout fini, on va le refaire je pense plus stylé. Donc ici vous allez tout droit, donc voilà, ici c'est une petite campagne. Enfin, voilà, c'est la campagne, vous voyez. Et si nous avons la dire, du coup il y a beaucoup de monde, je pense c'est là qu'ils vont se réjouir quand vous allez voir cette vidéo. Donc voilà les gars, nous avons fait la dire et beaucoup de monde je pense qu'il aime bien la dire, donc vous voyez, je trouve que j'ai quand même bien reproduit. Hop, ici nous avons des petits locaux, donc si vous voulez par exemple créer une petite entreprise vous pouvez. Ici alors ici c'est un autre coin, je vais pas vous le montrer parce que c'est en travaux, mais donc ça va être un coin plage, un coin on va dire riche. Voilà, on vous montre pas, mais franchement ça va être magnifique je pense derrière. Ici c'est l'hôpital, donc voilà si vous êtes prêt dans l'hôpital. Ici nous avons le Quaghetto, alors j'ai pas non plus tout vous montrer, donc vous voyez c'est un truc normal. Voilà, je vous laisse voir de vous même. Ici nous avons des maisons qu'on va refaire, pareil quand je vous ai dit, la map en fait on va la refaire, enfin il y a beaucoup de trucs qu'on va changer parce qu'elle est pas du tout finie. Du coup ici je vous ai montré, là du coup c'est journaliste, là c'est le questionnaire Audi, je vous l'ai pas montré. Donc voilà, il y aura des trucs, on va faire je pense des voitures. Par exemple si vous prenez la R8, la R8 ce sera le truc le plus cher du serveur, donc par exemple elle aura un boost, donc exprès pour qu'elle aille très vite, donc on l'a pas encore aménagé vous voyez. Ensuite nous avons l'armurier, donc le vendeur d'armes. Vous voyez que c'est vraiment pas mal. Alors ici vous avez les armes qui est un peu cher, mais si imaginons si on mettrait pas cher, ça serait un petit peu facile on dirait, parce que tout le monde aurait des armes et ça serait un peu le bordel. Alors la licence d'armes du coup ça sera 700 €. Après on rajoutera des armes dans les prochaines mages. Ici nous, alors là ok, bon là c'était pas prévu, mais ici on va faire des métros, voilà un petit peu. Alors, ici nous avons les usines. Donc pareil ici on va aussi agrandir, vous voyez que c'est pas mal. Et là du coup c'est un cul-de-sac, donc on sait pas ce qu'on va mettre, soit on va barrer ou soit on mettra des petits trucs. Et le petit pont qui est pas mal. Donc je crois que j'ai fait le tour, je regarde si j'ai rien oublié, mais il me semble que j'ai fait le tour. Du coup comme je vous ai dit là-bas, voilà c'est bloqué, on vous montre pas.
Ah oui, et aussi des trucs, on voulait se visiter pour ceux qui veulent des trafics et faire des trafics, tout ça. On voulait se chercher, il y a des trucs, des matières premières donc pour les revendre, tout ça. D'abord sur notre serveur, les gars, ça sera tout marqué, donc voilà. Si du coup, les gars, il y a un truc que vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Moi, les gars, je vous laisse ici. J'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like si vraiment cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, mes rêves, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou un tout nouveau live. Je vous laisse mes rêves. Je vous dis peace.